c'est dans cette nouvelle vidéo de Gamers sans fin aujourd'hui. Pokémon Diamant, épisode 2, donc faut faire péter la barre de pouces bleus, faut s'abonner à la chaîne. Quel est ce Pokémon? Quel est ce Pokémon? C'est Tijordia. Ouais. Et donc on se retrouve. Il a assis ma place, normalement je suis obligé de le prendre pour m'asseoir. Mais oui, il est trop gros. En fait on s'est pas le mettre. Il prend trop de place. En tout cas les gens, merci à tous ceux qui ont regardé le Let's Play hier, le premier épisode. Yes. Pour l'instant on va faire une petite suite, on verra. Si on continue, une autre idée qui germe dans notre petit cerveau qui devrait arriver. Tout petit cerveau. Ah oui, ouais, ça... ah, oui, on a envie de faire et qui sera plutôt pas mal, donc voilà, vous restez au rendez-vous, il y a des choses qui arrivent. Et donc, je suis à Charbourg, c'est ça, hein? Oui, Charbourg. Donc, la première arène. Il y a la première arène. Pour utiliser Éclatroc. Voilà, Éclatroc, c'est ça. Donc là, je vais aller direction l'arène. Ah non, l'arène. Ah bah tiens, il y a Niels. Il m'y emmène. Tiens, il y a quelqu'un devant l'arène. Et du coup, merci pour tous les messages que vous avez donnés. Oui, merci beaucoup pour tous vos messages d'anniversaire, c'est super gentil. J'ai essayé de répondre à quelques-uns sur le réseau, mais... C'est qui est fait aujourd'hui, vous êtes abonné en ligne. Non, ça, vous pouvez avoir un jour de retard, c'est pas très grave. Ouais, oui, oui. C'est tolérable. Oui, c'est tolérable. Mieux vaut tard que jamais. Et donc, le champion, il est parti à la mine. Donc, tout le monde travaille à la mine parce que c'est... C'est germinal. Oui, non, oui, si tu veux, oui, oui, mais c'est la ville où... Yeah, le champion, c'est joli, remarque, hein, c'est propre. C'est plutôt joli, ouais. Qu'est-ce qu'ils me disent? Frappe, Machoc, ok. Frappe, Castle Rock. Donc là, je cherche à la mine, le champion. Mine de Charbourg. Ok. Ah oui, je peux pas passer là. Non. Je peux passer là. Ok. Donc je récupère les capsules. Quoi? Donc c'est Kim qui joue, hein? Ouais, c'est moi qui joue. Comme je joue toujours Animal Crossing, et puis Kim, elle aime bien la Pokémon. J'aime bien Pokémon. Voilà. Oh là, je sais pas où je suis partie là. Ah, il y a des... Vas-y, il faut que tu lui parles, je pense. Non, je pense qu'il va m'attaquer. C'est un... C'est un... champion. C'est pas un champion, c'est un dresseur, quoi. Donc, Raikou, j'en ai un dans mon équipe, que je viens juste d'avoir, donc il est niveau 4, il est tout pourri. Ouais. J'ai essayé d'XP, mais c'est difficile d'XP, honnêtement, sur les premières routes. Hein. Oui. Sur les premières routes, parce qu'en fait, c'est des niveaux 4, donc ça avance pas, quoi. Là, c'est plus facile, déjà. De quoi? Pouvoir 7. Ah oui, bah oui, pouvoir, oui. Pouvoir 7. C'est pas parce que t'as Nita dans les mains. Non, mais tu sais que j'arrêtais pas de. Non, c'est l'ordre. J'arrêtais pas de. J'ai joué un petit peu là, j'ai joué avec mon perso, hein. Vous aurez sûrement du Brawl Stars. Là, ouais. Bah peut-être avec les clubs. D'ailleurs, elle a déjà été nerfée par moi. Oui, ouais, j'ai vu, ouais. Elle est toujours trop forte. Elle rentre. Oui, les clubs, oui. Oui. Peut-être pourquoi pas faire notre première journée de club. Oui, pourquoi pas, une petite vidéo. Pour voir comment on s'est éclaté. Oui. Comment on rage. Accessoirement. Aussi, ouais. Non, en vrai, si, ça va être rageant. Si, ça va être rageant, oui. Oui, ouais, oui, mais y'a rien à gagner. C'est pas comme les championnats, tu gagnes un skin. Ouais, vas-y. Voilà. Ah oui, il me tourne le dos. Oui, c'est des mineurs. Oui. Pire, tu fuis, hein, si tu veux. Bah, ça va, en une fois. Oui, one shot. Ça me permet d'XP un petit peu, comme ça, ça va être facile de faire l'arène. Surtout que ça va être une arène de type roche. Il y a une autre peluche que vous n'avez jamais vue. Qu'on veut toujours montrer. Oui, ouais, il faudrait qu'on la montre, ouais. Bah, vas-y. Il est parti. Je suis revenu. L'avantage de voir un siège est bien. C'est une peluche qu'on a gagnée sur le site. Faut pas dire ce que c'est. Non. Faut pas dire ce que c'est parce que vous devez deviner. Oui, oui. Avec la tête comme ça. Avec la tête. Et avec les bras en mode. En mode mochi mochi. Oui, ouais, voilà. Je sais pas où je vais. Il est cool, hein. Mais... Il est là le champion. Gogol, je regardais même pas deux secondes et ça, t'as loupé le champion. Ouais, mais comme ils sont en chibi. Regarde! Recule un peu et regarde! Pa. Grâce à Gapis et Secrète Éclatroc, je peux réduire en poussière les rochers qui bloquent le passage. Pa. C'est important de faire ça après un éboulement. Si tu obtenais le badge de notre arène, tu pourrais toi aussi détruire les rochers qui te barrent la route. Bien sûr, pour ça, tu dois d'abord vaincre le champion de l'arène, c'est-à-dire moi. Bébé Yoda. Il est là. Oui. Non mais Guillaume, ça y est, il joue pas et du coup il est. Ouais, je le regarde. Il est éliminé par notre collection. Ah non, on a plein de trucs, c'est bien. Donc j'ai pas réussi à avoir le Onyx. Hein. Après, j'ai le Raikou. Hein, ouais, Onyx, c'est pas un nouveau Pokémon. Moi, j'attends les nouvelles générations, là. Bah ouais, je sais pas, Zacian, Zamazan... Non, même encore nouvelles. Ceux qu'on... Ah oui, ceux qu'on découvre. Ouais. Ah, ça va être tellement bien quand il va avoir une nouvelle gène. Ça va être bien. Ouais. Ça va être trop bien, parce que... l'année prochaine, hein, mais ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Ça va être vraiment bien, ça quoi, va être vraiment de redécouvrir trop bien. Des Pokémon et tout. J'espère que ça va être des Pokémon bien. Ce gène était pas mal, quand même. Oui. La Sadier. Ouais. Non, la 8. Attends, je suis perdu dans les générations. Ça, c'est la 4. Ça, c'est la 4. Non, je parle de la dernière épée bouclier. C'est la 42. C'est la 52e génération. Non, 42. Vous vous rendez compte, un jour, il y aura... 42.
il y aura 10 000 Pokémon. Ça se trouve. Dans, du coup, dans longtemps. Ça se trouve, il y aura des retourneront des vestiges de hiéroglyphes de Pokémon. Zarbi des... Non, des oh non oh, c'est une blague oh, ah, c'est pas mal, ça. Je vais encore faire un coup critique, c'est ça? Ouais, tu l'attrapes? Moi, j'attrape tout. Ah oui, d'accord. C'est la partie de Kim. C'est Kim qui décide. Après, j'ai un peu la flemme. Je ne suis que son valet. Mais au début, j'attrape tout. Voilà. Tu voilà. N'es que quoi? Je ne suis que ton valet. Tu n'es que Guillaume. Je ne suis que Guillaume de Kim. Il va falloir que j'aille me soigner quand même avant. Non. Bah, avant de faire la mais raid. Non. Mais quoi, non? Les Pokéballs. Ah, t'as pas utilisé le code pour avoir 100 Pokéballs? Non. Non, j'y ai pensé et j'ai eu la flemme. Bah, c'est compliqué de rentrer des ouais. Choses. Ouais. Ouais. C'est un travail. Ta-da-da-da-da-da. Et il faut un Pokémon que... feu. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est comme Pokémon Let's Go, tu XP même en capturant. Oui. Oui. Bah, c'est, ça a été ultra facilité. Hein. ça a été ultra facilité. Non. Pikachu. C'est bon. Tu sais pas conduire ou non, je sais pas me repérer surtout. C'est ça le problème. Je sais pas marcher. Wow. Bah, au pire, je peux éviter tout le monde. Hein. Ah oui, tu peux éviter. Oh, c'est trop bien. Bah non, mais XP. Oui, XP. JXP, surtout t'as qu'on déjà va... zappé toute la grotte. C'est vrai. De toute façon, on zappera les portes. On va faire un... Je pense que si on fait le jeu, on fera un accéléré. Bah, comme on a fait sur Diamant voilà. Il y a l'année dernière. C'est-à-dire qu'en gros, on vous montrera les arènes, les Pokémon qui évoluent, voilà. Les Pokémon principaux. C'est ça. On va si essayer jamais des... on tombe sur un shiny en vidéo, bien évidemment, on vous fera une vidéo. Ah bah oui, même. Alors, attaque. Je sais pas c'est quoi, comment ça se passe sur ce... Naruto. Quoi? Fortnite? Quoi? C'est un personnage de Fortnite qui va ouais. Ouais, il ouais. Prend du ballon de Sega, c'est ça? Ouais. Ah, okay. Et puis, il te donne des armes sur il la map. Il fait pas un featuring avec Ariana Grande, je pense. Ah non, c'est Morsure. C'est qui oui. Morsure? C'est, oui, Rakayu. Ah non, c'est pas Rakayu. Ah, c'est Lixie. Pardon, je voulais dire... Kenotor, pardon. Non, c'est Lixie, hein. Oui, c'est Lixie. Lixie. Ça peut être pas c'est mal. Le meilleur Lixie. C'est... Ouais, c'est... ça peut être un bon Pokémon à garder. Qui évolue en... Luxray. Qui évolue en... Luxio. Lixie, Luxio, Luxray. Ouais, j'ai oublié non, Luxio. C'est ça. Je crois, ouais. J'ai oublié Luxio. Qui évolue en... Luxray. NITA. Je l'ai récupéré. Piqué. Non, on te l'a offert. Non, offert. Il est mignon. Mais il est trop mignon en plus, il est tout doux. Ouais, vraiment tout doux. Ouais, vraiment tout doux. Moi, je fais alors, ketchup. Antonio. Il a dit qu'ils en feraient un. Et... Bah, si, mais bon, t'as des taxes coréennes, quoi. De Corée. Ouais, non, c'était un shop. Éphémère. Non, non, c'était pas un shop éphémère, c'était le shop de InFriends. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est quand vrai. Même. Ah oui, c'est vrai, j'ai confondu. Oui. Je peux pas jouer à Pokémon et en même temps, tout savoir. Moi ça fait plaisir de jouer à Pokémon parce que c'est un jeu que j'aime bien, j'ai découvert récemment parce que honnêtement, bah ah, récemment maintenant, ça fait... Monotone vie, c'est que récent. Depuis 9 ans quoi, oui c'est pas récent, excusez-moi. J'ai connu les cartes, mais en tant que jeu vidéo, moi j'ai connu avec XY. Vous vous rendez compte qu'il m'avait même pas fait rouge bleu. Si, on m'avait filé le jaune et en fait j'ai rien compris et du coup je l'ai rendu. C'est trop nul. J'ai rien compris au jeu. C'est indigne de jeu. Je joue aux plateformes de Mario. Moi, pour moi, c'était incompréhensible, Pokémon. J'étais jeune, en jamais, plus. J'avais 6 ou 7 ans. Excusez-moi, c'était pas avant. Il y a maintenant, il y a Internet, il y a toutes les solutions. Pokémon a 25 ans. Non, il y a 9 ans. Toi, quand t'es né, c'était... ce qui est sorti, c'était XY, c'est ça? Ouais, quand je suis né, ouais. D'accord. 2013. J'ai 8 ans. Pierrick, je combats fièrement aux côtés de Pokémon Roche. Du coup, c'est le cousin de Pierre. Elles sont floues, tes lunettes, gros. Montre pas tes compétences de dresseuse et la force de tes Pokémon. Pierrick. Est-ce que les... Bah, Pierrick, t'as pas la même tête en vrai et en non. Photo. C'est fake, là. Ouais, en vrai, il fait 50 cm oui. Et il fait 1m70. Ce qui est bizarre, crédible. C'est qu'en fait, tu passes de, ouais, de perso ça... chibi à perso... Franchement, s'ils avaient fait un classique. Let's Go, mon soleil, eh ben franchement, ça aurait été cool. Hey, let's go soleil et lune. Let's go mon soleil et lune. J'espère que le prochain remake ce sera un let's go. Ouais. Oui. Je préfère. Bah si y en a un. Bah surtout si c'est un or ou argent. Parce que après. Ah non non non. Si diamant et perle, ça sera dans l'ordre. Donc ça ah sera oui donc ce sera noir et blanc. Noir et blanc. Non non non.
Ouais, mais je pense que noir, Pokémon. Et... noir et blanc, let's go, je pense pas. Pokémon, ça fait des remakes depuis des années, et c'est dans l'ordre. Même si le remake de Or et Argent, c'était que sur DS, et ben c'était sur DS. Oui, mais... Si, il y a eu le Let's Go, mais Let's Go, c'est pas un remake, c'est une refonte. Oui, mais justement, s'ils font une parce refonte, que Let's Go, tu peux jouer une... voilà. Ce serait une refonte sur Or et Argent. Tu penses? Moi, je kifferais avoir XY en Let's Go. XY, beau. C'est trop récent. Ça serait trop propre. Non, mais en remaster... Oh, ce serait énorme. Déjà, il faudrait qu'il fasse un professeur Letton. Un vrai, pas quatrième Letton, là. Bah si, si, quatrième Letton, mais... Pic. Mais qu'est-ce qu'il apprend une attaque vol, lui, là? Bah c'est normal, c'est un oiseau. Pic. Vas-y. Ah oui. Vas-y. Ah oui, je croyais que c'était Etour, Etourmi là, qui... Bah, c'est un oiseau type fossile. Ouais, type est un oiseau. Il a un bec. Il a un bec, et un bec, c'est un oiseau. Voilà. Et du coup, il va passer un niveau et il devient Primplouf. Non, c'est niveau 25. Non, j'ai regardé sur internet, c'est niveau 7. C'était pour être sûr, parce qu'il y en a, c'était... pour moi, il y en a... Oh là, il parle avec sa bouche. Je veux bien parler avec vous. Avec son nez. Mais non, mais il y avait une animation de la bouche. Voilà, ils sont chauds, hein, les reflets, les animations de bouche. Du coup, j'utilise Pic Pic. Il y a même des reflets là. Regardez, il y a deux types loufs. Pourquoi ils ont mis des reflets partout? Arrêtez avec vos reflets. Boycott les reflets. J'espère qu'ils vont patcher ça. Je pense pas. Waouh, it's super. En fait, j'ai utilisé l'attaque. C'est génial quand t'as un Pokémon. Ça marche moins quand tu fais la potion. Non, mais il a fait ça tout à l'heure. Super effective. Noob, you are dead. Yeah. Vive Tiplouf. Tiplouf. Wow. Il évolue ou pas? Oh non. Trop triste. Ouais. Lixi niveau 13. Jixi Pokémon, hein. Et Tourmé niveau 13. Je crois que ça prend pas si je dis si peu de Pokémon. Reflet, non. S'en fout. C'est pour esquive, s'en fout. Cunator niveau 11, Cunator peut apprendre des choses aussi, hein. Nous, on joue Ziga Bourrin, hein. Si vous voulez voir de la strat, c'est pas là. Ah ouais, non, Passez votre chemin. Nous, on appuie sur A, on fait. De la même manière. On regarde, on fait super efficace, allez, vas-y. On joue de la même manière à Pokémon qu'à Fortnite, tu vois. Ah, faut construire? Non. Ah, faut faire des stratégies? Non, j'ai pas envie. Ah, je joue à un jeu vidéo, c'est tout. Je m'amuse, je fais ce que j'ai envie de faire. D'après le règlement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène puisque tu m'as battu. Voici le badge charbon. Après, voilà, officiel de la Ligue Pokémon. Oh, joli. Du coup, tu peux les polir ou pas comme dans Diamond et Pearl avec ton stylet, sauf que bah non, c'est pas tactile. Je peux m'en aller. Je peux pas vers le haut. Route 207, on va dire que c'est par là. Ah. Route Peugeot. C'est pour le vélo. Il va non, pas dire que. C'est pour redescendre. D'accord. On va parler au mec. Ouais. En fait, il te faut un truc pour aller vite. Oui. Cette pente est trop glissante, il te faut une bicyclette pour la monter. Tu n'en as pas, va faire un tour à Vestigion. Il y a une boutique de vélo là-bas. Vas-y, regarde ta carte. C'est de la carte. Carte en bas à gauche. Et il faut ça que t'ailles. C'est à droite, je pense. Non, c'est avant. Avant, en haut. Non. Au-dessus. Floraville. Non, donc tout en haut. Vestigion. Okay, donc faut que t'ailles en Floraville. Ouais, en gros, faut que tu reviennes, que tu ailles à Floraville pour l'arène avec. Ok. Avec comment il s'appelle? Je reviens. Ouais, meilleure musique, c'est. Or, Crystal, c'est incroyable. Ah, bah, il va me dire. Boum! Ça va tanker! Lol. Tu dis qu'alors t'as obtenu le patch, cool, le prochain, il y a l'arène de Vestigion, pas vrai? Du coup, j'ai foncé sur Route 207. Non, mais... Ah oui, non. Mais bon, j'en ai profité pour entraîner mon équipe, donc tu savais pas pour rien. Bref, je te retourne vite à Félicitéville, puis j'enchaîne sur Vestigion pour récupérer le live. Attention, d'accord. Ok. Il n'y a pas de combat contre le rival? Ah si, il y en a eu un, juste. Bah si, il y en a eu un, on a galéré et. C'est une blague quoi? T'as fait un demi-pas? Il y a pas un petit problème là? Si, j'ai problème. Y'a pas un petit problème là? Y'a un petit problème à ma direct! Punaise? Punaise, ouais. J'espère qu'il va pas être là, hein. Il va pas me faire boum là, parce que c'est un peu malaisant le boum. Du coup, je vais vers le haut. Vous voyez, je suis même pas allé vers le haut, je crois. Ou alors, je suis allé vers le haut, on m'a dit de pas passer. Oh, vas-y. Ah! Ah!
la Team Galaxy. On les voit encore, enfin. La Team Playmobil. En fait, on dirait un peu des contrefaçons, tu sais, de Lego ou de Playmobil. C'est des méga blocs. Non, parce que ça ressemble plus... Ah, on lit pas. J'ai qu'à jouer à toi, des Nendoroids, des mini Nendoroids. Aplatissons, c'est type. Donc Luca, tu vois, on le voit, notre pas ennemi. Non, notre ennemi. Notre copain. Notre copain ennemi. Non, c'est pas un ennemi. Oui, c'est notre copain ami. Les sbires de la Team Galaxy veulent se battre. Après, c'est... je dirais que c'est plus classe. Le décor et tout, ouais, mais avec non, le G. Non, la team. Oui, avec le décor ah, oui. Et tout. Ouais, j'aime bien, moi. Ouais, et puis le G, c'est une lettre capitale intéressante. Une lettre incroyable, c'est ça? Ouais, incroyable. Bah, c'est tous les gens qui comment, ou leur prénom commence avec un G, c'est incroyable. Je vois pas, j'ai pas d'exemple là, mais... voilà. Oui, oh mon dieu, je sais ce qu'il y a pas eu. T'as fait pic-pic? Non, j'ai fait... C'est pas super efficace, mais c'était juste efficace. Ah non, mais pic-pic, c'était super efficace. Contre Chenipote? Ah, mais c'est marqué, de toute façon. Bah non, pas Chenipote, j'ai jamais rencontré. Oui, c'est marqué. Merci, mais... Wistikram, de m'avoir piqué. T'as dû prendre Wistikram. Non, en vrai, dans cette gêne, je sais pas c'est quoi mon préféré. Oh attends. Je sais pas c'est quoi mon préféré. Oui, mais attends. Je sais pas c'est quoi mon préféré, tu vois. J'ai pas de préféré. J'ai pas de préféré non plus, ouais. En starter, le plus mignon, c'est Tiplouf. Tiplouf, le plus mignon. En version basique, ouais. Mordibou, il est mignon aussi, mais... Nous deux perdre contre des enfants, comment est-ce possible? Ça ne va pas du tout, cette mission est un échec. 1296 Poké Dollar. Tan, tan, tan. On peut laisser Tiplouf, hein. Tan, tan, tan. Tu verras le niveau 100 avec Tiplouf. Évolue. Évolue. Tiplouf. En Primplouf. Oh, il est mignon, Primplouf. Ah, il est shiny. MDR. Ah non, ça, je m'en fais pas les... Si on tombe sur un shiny, ouais, mais... Enfin, on est content, mais... Si, sur Let's Go, c'était marrant. Sur Let's Go, c'était bien. C'était vraiment agréable à faire. C'était vraiment... Ah, ou Blink F, ouais. Griffacé, c'est bien. À la place de... Normal. Bah, avec Rasface. Ah, non, charme. Sinon, tu as regardé la saison 32 des Simpsons. Parce que quand on a pris l'offre Disney qui a rien à regarder, ben regarde ça. Mais c'est, non, bien, mais c'est bien, c'est très bien. Bien. C'est très, très bien. Il nous reste 3 épisodes, je crois. C'est très très bien. Montrons-leur que la Team Galaxy agit avec les Simpsons, généralement, t'as pas trop envie de regarder parce que tu dis, oh putain, j'ai déjà vu tous les épisodes sur la Team Galaxy. WF et M6, tu vois. Oui. T'as pas forcément envie de regarder. T'as déjà tout vu. Si j'ai bien compris, ils ont l'intention d'utiliser l'énergie mystérieuse libérée par les Pokémon quand ils évoluent. Mais c'est de la folie. Comment peut-il croire une seule seconde que des êtres humains puissent parvenir à canaliser cette énergie? Quoi qu'il en soit, tu t'es vraiment bien battu, GK, en te voyant combattre aux côtés de tes Pokémon, ce que tu avais bien fait de te confier un Pokédex. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le professeur étudie l'évolution des Pokémon. D'après ses recherches, 90% des Pokémon sont liés d'une façon ou d'une autre à l'évolution. Je me demande si certains Pokémon évoluent de façon surprenante. On doit tous les deux faire de notre mieux pour aider le professeur dans ses recherches, en complétant notre Pokédex. Salut. Je crois que je déteste. Ah non, ça. Ouah, comment tu les as écrasés? Ils ont pas fait mal en même temps, hein. Je me suis pas présentée, je m'appelle Amel. Je bosse à l'informatique à Union Police. Tiens, pour te remercier d'avoir donné une bonne leçon à ces brutes, je vais faire en sorte que tu puisses accéder à tes boîtes PC depuis n'importe où. Oh, cool ça. C'est bien, ouais. Et je vais te filer quelques capsules balls tant que j'y suis. Des capsules balls. Vous pouvez les décorer via le menu des éco-capsules. Ah oui, tu peux coller des sous. Ah ouais, c'est marrant. Comme ça, elles sont en plus stylées quand elles sont souveraines. Oui, ça fait des émotes, tu vois. Et quand on participe à un super show concours dans ma ville, Union Police, on sait pas tout, mais il faut que je décolle. A plus. Ah, il faudra faire les deux concours. Ouais, bah oui. Alors, c'est parti, route 204. Bon, tu me dis quand t'as terminé. Bah c'est bon, je vais dans la grotte. À la gorge. Mais pourquoi il m'a... Tu pouvais pas y aller? Non, je crois que lui, il me disait, va pas là, c'est pas bien. Chemin Roche. Ah oui, parce qu'en fait, tu serais coincé direct. Non, ça se trouve, c'est juste parce que t'étais coincé, c'est tout. Ah oui, c'était parce que j'étais coincé. Vas-y, faut que j'aille à droite. Avance un petit peu pour voir. Non, y'a rien. Y'a rien. Le mec, y'a rien. Ah oui. J'avais l'impression qu'il y avait des lumières, c'est pour ça. Moi, j'aime de voir les grottes souterraines, c'est ultra bien. Ouais. Avec faut taper c'est avec un stylet pour ouvrir les. Donc là, c'est à la main, sûrement. Mais je peux pas passer. Donc c'est bien droite. Oui, il y a une sortie. Ah oui, il y a une sortie. Il y a de la lumière, je voyais bien une lumière quand même. De quoi tu parles? C'est fou, c'est toi qui es fou là.
punaise, je crois qu'il y avait rien. Je suis pas revenu au même endroit, il y a même chien en ce moment. Non mais comment t'as pu faire ça et ça? Ah oui, t'es monté en escalier, pardon. Réveil. Quoi? Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux Pokémon là-dedans? Non, ça je fais pas. Bah ils ont facilité le truc alors. Punaise. C'est bien, c'est un double. Oui, oui. Les jumelles. Deux Pachirisu. Oh, ils sont trop mignons. Est-ce que c'est un Gen 4, Pachirisu? Je pense que oui. Il y a toujours un dérivé de Pikachu dans toutes les gènes. C'est pas mon portable. Tac. Déjà, on voulait aller à Disney. On a regardé les prix du train. C'est merde. Arrêtez d'aller tous à Disney. Laissez-nous y aller tout seul. Non, pas le prix des billets, mais les trains. Oui. Ils abusent, oui, ils abusent, ouais. Là, fin d'année, ils abusent. Du coup, Pachirisu. Pachirisu. On parle de tout et de rien, moi j'aime bien quand je joue pas, j'ai envie de parler de tout et de rien. Pachirouzi. Ah, oh, c'est pas terrible. C'est un numéro 400. Donc je pense qu'il est apparu. Il vient de Sinnoh. Y'a pas un truc plus explicite qui dit génération. Qu'est-ce qu'il pourrait être. Quatrième génération non, mais... Qu'est-ce qui pourrait être efficace contre l'électrique? Moi je suis nul à. Dis-moi! Quoi? Efficace contre électrique. Pierre. Griffe acier. Pierre. Oui, mais t'as pas. J'ai mais pas. Fais. Tu peux faire griffe acier, ouais, ce sera le mieux. Sinon, c'est truc normal. Et lui, ça marche pas, ça. Morsure. Tu peux faire morsure, ouais. Ah, mince, je fais ça de même. Et donc, oui. Nouveauté. Du coup, il y a Palkia, Dialga, Giratina. Giratina. Non, c'est Giratina, y a pas de I. Y a pas de U. Tu dis Guillaume, c'est pas Guillaume. Très efficace, hein. Tu m'as dit n'importe quoi. Non, mais c'est parce que ton Pokémon n'est pas efficace. Il faut que t'ailles, faut que tu le changes et que tu prennes un rocher. Ouais, mais ils sont trop bas niveau, mes rochers. Tu changes quand même. Mais non, mon pistolet à eau, c'était mieux déjà. Je vais faire sur l'autre. Je vais faire morsure sur celui qui est plus. Poképark. Allez, Poképark. Jeu de cartes à sélectionner. Platine. Oui, bah ça va, j'ai compris. Vous faites flip attaque, vous êtes trop fort. Est-ce que je mets les listes de la Pokémon 4G ou pas? Oui, vas-y. Liste Pokémon 4. Je sais pas si tu as très bien capté par contre. Ah. C'est pas grave, hein. Vous savez, les gens dans la vie, il n'y a pas que des bonnes blagues. Elles sont mieux faites. Non, non, il y en a plus. En plus, en vrai, je vais capter pas du tout. Tortipouche, Buscara, il va finir par mourir, mon Primplou. Mais il faut que tu le changes. Mais je le change pas. Champlou, il reste, Tipou, Primplou, Pringolio. Et Tourmier, Tourvol, et Touraptor, Kenotor, Carstorno, Crisix, Meliocrix, Lixi, Luxio, Luxray. Rose Bouton, Roserade, Cranido, Charcos, Dinoclier, Bastiodon, Chuniti, Chenizel, Papilord, Apitrini, Apirène, Pachirisu. Bah oui, voilà, Pachirisu. Mustebo et Musteflot, Ciribou. Donc oui, Seriflore, Sankoki, Tristosaur. Capidextre, Beaudrive, Grodrive, Laporeille, Lockpin, Megalopin, ah ouais, bah ça c'est non. Magirev, Corbus, Chaglam, Chaffreux, Corillon, Moufouette, Moufleur, Archéomir, Archéodon, Manzai, oh Mime Junior. Oh, il y a Mime Junior. Oui, il est apparu trop là. Trop bien. Et Tourmi, il évolue. Manzai. Manzai. Manzai, Monsieur Mime Junior et Petit Ravi. Oh, Manzai. Donc les bébés c'est trop Pokémon. Bien, Manzai. Ouais. Je sais plus comment tu les as. C'est dans les œufs. Oh, j'aurais dû descendre et Tourmi. Mais moche. Pidgeotto, Spiritomb, Grignot, Carmash, Karchakrok, Goinfrex, Riolu, Lucario. Ah, et Lucario, ben. Oui. Lucario, qui apparaît sur cette chaîne quand même. Goinfrex, ben, en fait, ils ont mis tous les petits Pokémon mignons que t'as dans les œufs. Hippopotas, Hippodocus, Rapion, Drascor, Cradopo, Coatox, Vortante, Écaillon, Luminéon, Babimanta. Babimanta. Blizzy, Blizzaroi, Dimoré, Magnézone, Coudelang, Rhinastock, Boule de Neuf, Elekab, Magnanon, Todeki, Cyanmega, Fidali, Givrali, Scorvol, Mainmochon, Porygon Z, Galam, Tarinorm, Noctunoir, Momartic, Mostismac, Réelf, Crefolet, Crefadet, Dialga, Palkia, Eartran, Itran, Regigiga, Giratina. Giratina, Cresselia, ouais. Fionn, Manaphy, Darkrai, Chaming, Arceus. D'accord. Au secours, s'il te plaît, mon tapette, on a fait le rap Pokémon. Habillés comme des extraterrestres, ne veulent pas me laisser entrer. Tu le fasses le rap Pokémon. Le rap Pokémon. Le rap Pokémon. Ah non, tu merci. Tu sais, de la première gêne. Le bizarre, ça la met, je crois.
attrapez les tous. Non, ça Pokémon. Va, merci. Mais non, c'est jamais bon d'avoir fait ça. Ah, les éoliennes. Oui, il est dans le parc éolien, il faut sauver son papa. Du coup, c'est écologique. Ouais. Après, non, c'était parce qu'il y a une discussion sur les éoliennes. J'ai reçu l'ordre de ne laisser passer que les membres de la Team Galaxy. Je vois ton regard que tu me quand même... C'est sont programmés, donc... Très bien, coup, mais tu vas d'abord devoir m'affronter. Donc, voilà. Lui, il arrête pas de parler, hein, pendant que moi, je m'embête à jouer. Non, non, c'est marrant. Bah, j'aime bien monsieur, moi, non, j'aime bien Pokémon. Pokémon, attrapé, bah, tu vois, Chagall. C'est notre histoire. Le Poké-Rap. Non, merci. chanté par... Non. Marie-Ange Thewen, Catherine Connet, Jean-François Baudard et Mélissa Candiotti. C'est marrant. Version courte. Ah, t'as plusieurs parties. Oui, bah, vers la version courte. Première partie. Non ! Parole. La version courte. Ah, c'est ça. Non, c'est... non, non, non. Je mais tu ne pourras rien faire si je m'en vais. Non, mais lis l'histoire. À l'intérieur du bâtiment avec la clé parc éolien. Et oui, car il n'y a qu'une seule autre clé et ce ne sont mes collègues du champ de fleurs qui l'ont. Haha, j'ai beau avoir été battu, je ne suis plus le perdant dans l'histoire. Donc il va falloir récupérer la clé. Donc là, il faut que j'aille battre la team C'était Galaxy, quand même assez mythique à notre époque. Hein. Ah bah, ils ont disparu. Oui, bah c'est parce que tu pouvais pas y aller, là tu peux y aller. Oui, je sais. Oui, parce qu'il faut que j'aille récupérer. Oh, c'est trop beau ici. C'est trop stylé, ouais. Ouais, Floraville, c'est trop bien. Assez discuté. Ouais, il peut pas d'histoire. La team Galaxy a besoin de ce miel pour attirer une armée de Pokémon. Pour attirer... Hey, je crois qu'on a la visite. Des... Faudrait pas qu'elle s'est... Si t'as bien écouté la liste des Pokémon de cette gêne... C'est simple, faut qu'on s'assure qu'elle la boucle. C'est dur, Zia. Miel. Ours. 4G. Ours. J'ai dit la liste. Je me souviens plus. Apiret. Apitrini, Apiret, c'est ça, hein. Je sais plus. Fallait faire pic-pic. J'ai fait pic-pic. C'était super efficace, pic-pic. J'ai fait pic-pic. Oh non, il ne faut pas commencer à m'empoisonner. Direct. Oh non, et ça m'énerve. Oh, empoisonné. Vraiment. Ouah. Regarde, on dirait qu'il est déchaîné. Ouais. Oui, les gens, oui. Non, allez, j'aime vas-y. J'aime bien Pokémon, mais du coup, moi, j'aime pas regarder qui joue. Bah, joue si tu veux. Non, non, mais je regarde, s'il te plaît. Qu'est-ce qui a été drôle, pas ta blague. Pas de second degré. Niveau 17. En fait, on va arriver au niveau 25. On aura même pas fait une deuxième arène. Attrapez tous Pokémon. Souffre du poison. Et donc, c'était mythique à notre époque. Armurlis. Non, on va continuer sans changer. C'est monstrueux. De quoi? Mais je me souviens j'ai pas. Dit Pokémon, c'était mythique à notre époque. À ton époque, oui, parce que moi j'ai pas ton âge, je suis beaucoup plus jeune, donc moi j'ai pas connu. Moi j'ai pas connu ça, donc voilà. Ah, qu'est-ce qu'il est moche ce Pokémon. On n'est pas de la même génération. Mais non, mais c'était incroyable. Ouais, incroyable. Quand tu revois les images d'archives et tout. Ouais, c'est marrant. Avec les magasins dévalisés, tout le monde avec sa Game Boy, les cartes et tout, les jouets de partout. Ouais. Après, il y a quand même un effet. Mais il y avait la télé, c'était plus puissant la télé. Oui. Et puis il y avait. Les premiers dessins animés, tout c'est trop bien. Ah, les dessins animés, je m'en souviens bien. Ouais. C'est trop stylé. Ouais, bah c'est ce que. Ouais, c'est les dessins animés et les cartes. Le jeu, vraiment pas, c'est fou, hein. Moi, j'étais pas trop. Faut un minimum d'intelligence et c'était compliqué pour toi. Je jouais à un instant dans la vie déjà, c'était assez compliqué. Vous savez, comme quand ça. On se fait greffer un cerveau à 20 ans. Noob. Oh Luxio. Non, c'est Luxray. Et après, c'est Luxio. Non, Luxray, c'est le dernier. Non, c'est le deuxième. Non, c'est le dernier. C'est un test. C'est pour voir si... Non, c'est beau. T'as appuyé sur B. Pour passer le truc, t'as appuyé sur B. T'as J'ai empêché d'évoluer. Non, tu restes comme t'es. D'accord, j'ai rien fait. Sinon, t'auras pas de croquettes. Tu sais, tu fais ça dans la vraie vie sur les chiens, c'est horrible. Non, tu restes un chiot. Tu n'évolues pas. Tu es mignon et petit. Tu prends pas de place, tu restes comme ça. Tu fais des petits caca, et quand tu seras gros, tu auras des gros caca. Tu n'évolues pas. T'es horrible. J'ai pas fait exprès. Hein? Luxio n'évolue pas. Mais oui. D'accord. Luxi n'évolue pas. Bon bah tant pis. C'est ouais. Oh. J'ai pas fait. Ascenseur émotionnel, Kim a géré ça tout seul. Bravo bien. Oh punaise. Parce qu'on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Longtemps qu'on n'avait pas été pas sérieux comme ça. Oui, ouais, parce qu'Animal Crossing, tu vois, on est ultra sérieux. Parce que c'est super compliqué. il faut réfléchir un peu. Là, t'as juste appuyé sur 1.
arrive à bouger le joystick. Alors que Mario Party, il faut être concentré, il y a un enjeu. Ah oui, il faut qu'on joue à Mario Party, il faut qu'on fasse tous les niveaux dans notre tête. Non, mais il y a trop de trucs à faire en fait. En plus, il y a autre chose que vous nous avez dit, un autre truc sur un autre jeu. Bon. Il y a Point de Fusion, on devrait recevoir ça la semaine prochaine. Et en plus, on a reçu d'autres choses. Et en plus, demain, vous aurez autre chose. Non, mais ah ouais, on a reçu autre chose. Non, mais il y a trop Retournons au parc. Là, faut qu'on fasse 5 vidéos par jour en ce moment. La porte s'ouvre. Clic. Ah, mais c'est la centrale. Donc, il y a peut-être des électrodes. Il y a des éoliennes. Il y a du vent. Quoi, c'est impossible. Tu as le trait et ça va bien la peine que ah je ouais, le fasse. Ah ouais, c'est trop chiant, et ça dès le début, tu te rappelles. Je suis bel et bien perdant dans cette histoire. Bref, pas Est-ce le temps de me Est-ce que tu veux rush jusqu'à faire le boss ou. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on a déjà fait l'arène, on a déjà avancé bien... On a fait l'arène. On a fait l'arène Pierre. Pierrick. Ah oui, c'est vrai. L'arène Pierrick. Donc là, il va falloir... Oh, le cyprès d'Animal Crossing. Donc je moi, le que... reconnais. Moi, ce que je vais faire, c'est que franchement, je vais la déco est pas ouf, hein. Tous même les... Animal Crossing, c'est mieux. Je vais faire tous les sbires de la, non, de mais la centrale. Regarde, tu peux refaire ça dans Animal Crossing. T'as les Halo. Ouais, j'avoue. T'as le distributeur de boissons. Ah bah, il y a Mars. Voilà, comme ça, t'as même pas besoin d'aller soigner tes Pokémon. Nickel. Voilà. 54 sur 54. 54, c'est lequel département ? J'en ai aucune idée. Je suis l'une des trois admins de la Team Galaxy. Nous essayons de créer un monde meilleur que celui-ci, mais les gens n'ont pas l'air de comprendre ce qu'on fait. Tu ne comprends pas non plus, n'est-ce pas ? C'est un peu triste. Puisque c'est comme ça, décidons de ce que nous allons faire en combat ! En combat. Si je gagne, tu t'en vas. Si tu gagnes, ce sera à nous, la Team Galaxy, de partir. Oh là, wow. Et même ça, c'est fou. C'est pixelisé un peu le jeu. Oui. Dommage. Donc, Mars, l'admin de la Team Galaxy, veut se battre. Donc, il y a une carte aussi d'elle qu'on a. Ouais. Peut-être. Si, je crois qu'on l'a je joué. Je crois qu'on l'a Mars. Je crois qu'on l'a Mars, ouais. Attaque. Bon, puis tout là-haut. Ouais, c'est sa catégorie. Allez, Primplouf. Demi-tour. C'est moins bien. C'est pas mal. Ah, au revoir, nos soeurs. Oh, c'est marrant. Mais la Mars l'année, on va un chaffreux. J'ai compris, mais la Mars l'année, un chaffreux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec Pokémon ? Je l'ai. Je dirais... C'est un type normal, peut-être assis alors ? Je sais pas. Bah pistolet à eau, t'aurais dû faire pistolet à eau. Bluff. Ouh, c'est pas mal ça. Oh, bah il... Oh ! Vas-y, pistolet à eau. Pistolet à eau. Allez, vas-y, fais... Ah non, un autre truc, moi. Punaise, il va être redoublé. C'est moyen. Je vais peut-être prendre une... Attaque. Ah bon ? Pistolet haut encore ? Le temps de griffe. Il fait la même chose que moi. C'est un tricheur. Ah non, griffe facile. C'est pas pareil. Terrible. Sac. Non. Mais oui. J'ai plus de vie. Oh, mais c'est pas grave, t'as 15 000 Pokémon. Ah non. Mais je pense que c'est bon. Ouais, attaque. Vas-y. Allez, pas la trouille. Pas coup critique. C'est bon. Oui. Il est rôle de son chaffreux. Oui, t'es rôle. En temps, il est niveau 16. Hein. Oui. C'est pour ça. Donc je vais gagner pas mal d'XP. Il faudrait que tu montes de niveau pour la prochaine. Oui, pour la prochaine vidéo, je vais monter... C'est pas mal. Fast. Ouais. C'est pas mal du tout, tout ça. Et tu peux changer. C'est quoi comme Pokémon ? Ouais, tu peux changer. Tu prends Lixie ? Ouais, vas-y. Ou Étourvol ? Lixie. Kunotor va prendre coup de boule. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il a, Kunotor ? Rugissement. Je te servais pour cette fin de vidéo quand même, hein. Au bout d'un moment, quand même un peu de stratégie. Hein. Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien. Ouais, changer de. Non, mais ça reste quand même un nouveau jeu, même si voilà, il y a le côté. C'est dommage qu'on l'ait déjà fait. Oui, en fait, c'est dommage qu'on l'ait déjà fait. Il n'y a pas très longtemps. Après, il est plus joli, hein. Et c'est sur Switch. Et c'est sur Switch, et on peut jouer avec la manette tranquille. Ouais, c'est ça. On a le jeu comment ? C'est sur 3DS. Ah oui. Ouais. Voilà, pour ça. Là, faut vraiment que je monte Lixie niveau. Oui, parce que. Ouais, parce que c'est un bon Pokémon, bah, ça. Par exemple, contre les Pokémon O, contre les Pokémon R. Ouais. Ah ouais, il faut vraiment que je monte de niveau celui-là. Lui, il n'aurait pas été efficace contre le pierre, mais du coup tu l'as passé, donc c'est bon. Oui, bah oui, bah oui. Et bah c'est pas trop tôt. Bah ouais. Bon, tout le monde a monté... Et du coup, t'appuies pas sur B pour Lixie, s'il te plaît. Parce qu'il va... Ah, étincelle. Bien, vas-y, oui, vas-y. Électrique. Tu peux oublier charge. Charge, on va le foutre full éclair. Pikachu, attaque éclair.
T'es sûr qu'il va monter de niveau? Oui. Voilà. Au revoir, allez, salut. Mince. Impossible, j'ai perdu espèce de grrr, remport de 1536 poké-dollars. Ils ont fait l'animation de la bouche sur un dialogue. Sur... Appuie sur A. J'appuie sur rien. J'appuie sur rien, premier, j'appuie sur rien. Bah ça va, elle m'a pas dit plomb non plus, hein. Bon, elle est mignon. Ouais, elle est mignon. Luxray, il est bien, moi. Ouais. Dixie, ah. Évolue en Luxio. La forme finale, hein, bien sûr. Oui, la forme finale, ouais. Yes! Un peu moche, les rivières comme ça. Là. Oups, j'ai complètement raté mon coup. Mais ce n'est pas grave, j'ai bien apprécié notre combat. Je pense qu'il est temps de nous dire au revoir. Mais nous vous reverrons. Et voilà! Bonjour, papa de la petite fille qui est dehors. C'est Voyou, de la Team Galaxy. Il disait qu'il devait rassembler ses Pokémon et de l'énergie à tout prix pour créer un monde nouveau. Rien de ce qu'il disait n'avait de sens pour moi. Tu as toute ma gratitude pour m'avoir sauvé. Je vais enfin pouvoir retrouver ma fille chérie. Papa! Papa! Opa! Burk, papa, tu sens mauvais. Tu as vraiment besoin d'une douche. C'est la première chose que t'as envie d'entendre après avoir été kidnappée pendant je ne sais combien de temps. Burk, papa, tu... Oh, désolé, ma chérie. Ils m'ont fait travailler non-stop. Merci beaucoup, gentille dresseuse. Merci beaucoup, oui. Gentille dresseuse. Ah oui, un Pokémon en forme de ballon apparaît chaque semaine devant le parc Eolien. Oui, c'est pour les erreurs, tu les as le même jour de la semaine, mais je sais plus lequel. Je me demande si son apparition a quelque chose à voir avec le fait que nous utilisons l'énergie du vent ici. C'est bon, on peut partir? Vite. On peut sauvegarder, et si près d'Animal Crossing. Voilà, tu pourras créer la zone si tu veux avec les trucs jaunes là. Oui. Bah on va s'arrêter là, parce qu'on a déjà vécu la Team Galaxy, on a fait la première arène, on ira vers la deuxième arène. Il y a des gros drives là-dedans. Ah oui, on ira vers la deuxième arène, donc dans la prochaine vidéo. Donc là c'est ouvert, c'était fermé. Oui, il y avait la Team Galaxy, donc là on ira, il faut que je refasse aussi les dresseurs qu'il y avait par là. Bah tu vas farmer un peu quoi, ouais, et voilà, puis comme ça on fera ça demain. Demain normalement. Oui voilà. Voilà. Oui, donc il faut rester au courant sur la chaîne, il faut s'abonner à la chaîne, et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut.